Moi, le projet de l'érablière, ça a commencé. C'est que moi, au départ, j'ai une ferme, que j'ai eu une ferme, puis je suis tombé propriétaire d'une ferme en 1960 jusqu'en 2020. J'ai fait 60 ans comme agriculteur. Mais entre-temps, en 2013, on a acheté une ferme ici, aux limites de Saint-Isidore-Saint-Anselme, 105 rang Saint-Jacques, Saint-Isidore. Et puis là, j'ai dans la forêt qu'il y avait là, c'est une forêt abandonnée, c'est une forêt vierge. Mais je l'ai marché, puis je me suis dit, Colin, je vais me développer une érablière dans cette section-là. Alors de là, j'ai examiné les lieux, tout près du rang Saint-Jacques. Je me suis dit, on va construire la cabane tout près du rang Saint-Jacques, on va être proche de l'électricité. Et puis, par la suite, on a fait l'entrée électrique souterrain, le chemin d'épuration. Et puis, on a coupé le bois en 2014. Parce qu'ici, il y avait beaucoup de trucs. On avait toutes les essences pour construire. Ça fait que ça me rassurait aussi. Ça fait qu'on a coupé beaucoup d'épinettes pour la charpente, qui est toute en 3x6. C'est un style antique, là, la cabane en définitive. J'avais vu des cabanes de même dans le temps passé. Et puis en 2015, on a commencé à construire. On a fait la charpente la première année avec un de mes beaux-frères qui était professeur en menuiserie anciennement, qui était retraité. Et puis pour tout ça, là, pour terminer, là, on a commencé à faire bouillir là, en 2017, au printemps 2017. On a lassé dans l'automne 2016. On voulait avoir à peu près 750 entailles, donc on s'attendait, ben, parce qu'on a fait juste une partie. Justement, on en a eu 1011. Fait qu'on a commencé à... ça a été 1011 pour débuter. Ça s'est maintenu à ça parce que lorsqu'on en coupe quand même, parce que c'est un érable qui a beaucoup de sélection, un érablière qui a beaucoup de sélection à faire. On en coupe plusieurs, mais on rajoute toujours dans une autre partie qui est prête à lasser, mais présentement, étant donné qu'on n'a pas de quota, ben on ne prévoit pas d'augmenter parce qu'on présentement, on transforme. J'ai rencontré Serge Fortier de CDL, puis Ghislain Poulain, qui s'était associé. Et puis, moi, j'avais commencé. Fait que là, Serge, il m'a dit, je vais te transférer à Ghislain parce que moi, je suis déjà occupé beaucoup. Fait que c'est Serge qui a fait les plans de l'ensemble, puis la tubulure. Puis Ghislain, lui, s'est installé, toute l'installation, puis tout à l'intérieur. C'est tout Ghislain qui a fait ça. Fait que j'avais deux bons mentors, puis des gens que je connaissais d'ailleurs. Ça fait que ça a bien été. Et puis, au niveau de l'équipement, ben, on a tout acheté. Quand Justin est venu, puis Serge, ils m'ont fait une cotation. Et puis, moi, CDL, ça m'intéressait par cette approche. Il y a M. Chabot, je ne connaissais pas le père, mais les fils, je les connaissais. Ça fait que, disons, que j'étais intéressé à faire l'achat local. Moi, ben, je leur ai dit, moi, ça me j'aimerais avoir une Chinook, mais en petit. Ça fait qu'ils ont dit, ben, une 2,5-8. Ça va faire ton affaire, ça fait qu'ils l'ont produit. Je l'appelle mon auto de course, là. C'est une machine qui est très, très performante. Et puis, à ça, ben, on a acheté la fendeuse avec une colonne de 8 pouces. On me disait que c'était peut-être un peu gros pour mon besoin, mais moi, je prévoyais l'expansion plus tard. Pour les jeunes, s'ils veulent prendre l'expansion, ben, ils seront prêts pour monter à au moins 2000-2500. Moi, ici, je pense que quelqu'un qui voulait faire bouillir à partir du matin à aller au soir, il pourrait faire 2500 entailles avec l'équipement qu'on a ici. On a fait les bassins pareils sont plus grands que nos besoins présentement. Fait qu'on a les trois bassins qui sont sur la mezzanine. Et puis, pour ce qui était de la transformation, ben on a rien lésiné. Nous, tout le sirop qui est canné, qui est embouteillé, il est passé 100% du sirop ici, il est passé dans le bain-marie. 190-192 degrés au départ, ça fait que ça peut baisser jusqu'à 188-189 le teint du canard. On s'est fait faire une table de refroidissement qu'on n'avait pas vu beaucoup ailleurs présentement. Et puis l'eau rentre d'un bout puis elle sort de l'autre avec le niveau d'eau dépasseur des cannes. Ça fait que nous on canne, on met dans des bacs la tête par en bas, l'équivalent de 10 minutes. On les ramène après ça dans le bac dans l'eau. Puis l'eau, étant donné qu'elle est courante, bien, c'est sûr que là, quand on emplit la table, elle a 80 cannes. C'est certain que là, la température monte, mais ça ne dure pas longtemps. Fait que le lendemain matin, bien, on rouvre la ploie, puis l'aval. L'eau se vide, puis les cannes s'assèchent, on les suit, puis après ça, on peut en empaqueter.
On reçoit du monde à la cabane, ils emmènent leur manger, puis ils peuvent manger à la cabane, on fait de la tire sur la neige, on fait les expositions agricoles. Ben, dans le temps, là, c'est tout avant la COVID, là, je parle comme si là, c'est arrêté la COVID comme tout le monde. Et puis, on fait les marchés de Noël, ces choses. Fait qu'on passait quand même une bonne partie de notre production. Chantal, qui est cuisinière, c'est elle qui est la responsable de la transformation. Elle a l'aide de sa fille, puis j'ai mon épouse qui vient aider aussi pour l'emballage. Puis Chantal est fleuriste également. Ça fait qu'elle fait les emballages cadeaux, puis ces choses-là. Chantal, vu qu'elle transforme, on fait le beurre comme tout le monde, en contenant 500 grammes, 250 grammes. On fait la tire en 250, 500 grammes. On fait le caramel, on fait le coulis, on fait les tartes. Gros vendeur, c'est les tartes au sirop d'érable avec des poires. On travaille avec les saveurs. Moi, je suis un maniaque de saveurs. Comme je disais tantôt, les choses exceptionnelles, j'ai toujours été intéressé à ça. Ça fait que j'ai appris, j'ai tout suivi les cours. D'ailleurs, je suis membre du club Joël Boutin. Et puis ça, c'est un professeur. On est chanceux. On a la somnité au Québec avec nous. Et puis moi, ça fait 4 ans que je suis des cours. Tout n'est pas prêt à pas manquer de cours de Joël, là. Ça fait que là, lui, j'avais tout suivi les autres cours aussi en dehors de que Joël donnait, de la serre, ces choses-là. Ça fait que la roue des flaveurs, ça, je tiens à ça beaucoup. Puis, on fait un petit peu, ça, c'est mon petit-fils qui s'occupe de ça, le marketing. Ça fait qu'il vint sur Instagram, sur Facebook, Amazon. Ça fait qu'il a développé un marché, on a un petit marché face à ça. La première année, ben moi, étant donné que j'avais gagné presque toutes les prix agricoles qu'il y avait à gagner là, dans les années, j'ai fait beaucoup d'expositions. Et puis, avec des animaux, et puis au niveau des grains. Puis là, ben c'est sûr, quand j'ai commencé ici, les gens m'ont dit, oh, ben, tu vas bien aller chercher des trophées avec les ravières. Puis, la première année, en 2017, on a rapporté comme la médaille de bronze à la commanderie de l'érable. Fait que tout le monde a dit, hein, on s'est pas trompé. Là, c'est sûr qu'après la pandémie, on se contentera pas de bronze, ça veut pas dire qu'on va aller chercher, là. Mais c'est sûr qu'on aimerait aller chercher les autres médailles là, s'il y a lieu. C'est dans mon adrénaline, là. C'est dans mon ADN, je veux dire. Et puis j'aime bien ça, puis en même temps, bien, ça me donne l'exemple à mes petits-enfants. Là, j'ai une super de relève. Ça, j'ai construit ça, j'ai commencé à l'âge de 70 ans. Tout le monde était découragé pour moi. Mais je me disais, moi, je fais ça pour mes filles. J'ai deux filles. Et puis, après ça, ben, justement, puis Chantal, étant donné que je savais qu'elle était capable pour la transformation. Puis, Chantal, ben, a eu des commerces, elle aussi, déjà, au niveau de la fleuristerie, puis tout. Ça fait qu'elle connaît comment ça marche, un commerce. Puis là, ben, j'ai mes petits-enfants qui ont grandi avec moi. Ben, là, mon petit-fils, là, qui va avoir 21 ans, le 26 avril, il va à l'université, il est capable de tout faire. Il peut faire bouillir, il peut osmoser. Puis, j'avais pas douté ma petite fille. J'ai une petite fille qui va avoir 18 ans le 6 demain, là. Noriane, mon petit-fils, c'est Samuel. Ça fait que. Puis, Noriane est très bonne, elle étudie en marketing alimentaire. Puis, ça fait que là, ben, elle me prépare toutes mes affaires. Puis, fait que, ça va au-delà de mes espérances. Ça fait que, je suis tout équipé. Ça fait que là, Là, c'est sûr que la santé me joue des tours. Là. Ça commence en 2014, à mon quatrième cancer là, depuis 2014. Là, c'est pas guéri présentement. Et puis, non, les rabies m'ont sauvé la vie, ça, c'est assuré. Les rabies m'ont sauvé la vie parce que mon focus s'est toujours été ici. Puis, je souhaitais la finir depuis être capable de bouger. Et puis, là, ben, il est venu s'annexer l'aide de mon frère qui a pris sa retraite, Édouard. Ça fait que là, Édouard, justement, pour le bûchage, puis et c'est devenu mon bouilleur. Les premières années, c'est moi qui faisais bouillir. Puis là, ben, j'ai tout confié la tâche. C'est pour ça que, comme là, je suis libre, là, j'ai un bouilleur là, qui est fiable. Ça fait que, on y va avec ça de même. Là. Aimez la vidéo,
abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.